J'ai fait ce petit couple-là sur le leader versus manager. En fait, pour vous expliquer que moi, durant des années, et encore aujourd'hui, mais ça va mieux, hein, je me suis soigné, durant des années, j'ai énormément complexé d'être un mauvais manager. C'est-à-dire, j'avais conscience que j'étais plutôt pas mauvais en tant qu'entrepreneur, plutôt pas mauvais en tant que leader au sens entrepreneur du terme, hein, pas. Ni politique, ni charismatique, ni. Non. C'est-à-dire de savoir fédérer autour d'un projet, de convaincre, de séduire autour d'un projet. Alors ça, c'est le rôle d'un leader. Mais j'avais pendant des années un complexe où je me disais, oh, oui, mais je ne suis pas un bon manager, quoi. Alors, c'est quoi un manager? J'ai dû en discuter beaucoup dans vos cours. Et en final, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas mon boulot. Pourquoi je m'embête avec ça? Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de savoir embaucher des bons managers. Mais ce n'est pas à moi d'être le bon manager, de mettre en musique. Moi, je dois donner effectivement l'impulsion, la stratégie, avoir suffisamment de recul pour pouvoir anticiper, avoir une vision à 360, comme je disais, fédérer, séduire, vendre, convaincre, etc. Et donc voilà, vous verrez, enfin, moi je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle qui ont peut-être aussi vécu ça parfois. Après, il y a des entrepreneurs aussi qui sont très managers, qui sont moins leaders peut-être, c'est-à-dire qui peuvent être moins charismatiques, qui peuvent avoir plus de mal à fédérer autour d'un projet. Mais vous verrez que peut-être vous vivrez ça aussi. Et moi, ça m'a pourri un peu ma vie d'entrepreneur pendant des années. Donc voilà, je vous le dis, c'est pas grave. C'est pas grave.